Asseyez-vous confortablement, votre stream va bientôt être uploadé. Salut les gars. Donc là on repart pour la sixième session sur Godfall. Je kiffe le jeu, je vais le terminer. Y a pas de souci. Donc là, je viens de me réveiller, je vous cache pas, j'ai la tête dans le truc. Et on va aller tout de suite sur Discord avec les collègues. Pour qu'ils mettent l'ambiance un peu et tout ça. Et puis je vais continuer l'aventure tranquillement. Allez. J'arrêtais de jouer là. Je mange et tout. Yo les gars. What the fuck, Dave? La baisse? Ouya. Ça va? La baisse ou Michel la baisse? Ouais, ça va. Je viens de me réveiller, je suis éclaté. Brahim la baisse. Brahim la baisse, ouais, j'ai. Et Cyrine la baisse aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ton ex. Cyrine, ton ex. Je veux dire, ouais, j'ai lancé le live. Donc comme ça, record. Okay. Bon. Il reste et du aérien. Pas de neuf. Ça va. Tout à l'heure, j'étais sur un live de LDLC. Et il y avait un mec qui relançait Star Wars et qui parlait un peu des nouveautés qu'elle a à voir. Oui, mais est-ce qu'il y a une refonte graphique ou pas? Parce que refonte graphique, ouais. Ouais, prévu. Mais 2022. Ah ouais, bah d'ici là, frère, on en aura fait un ou deux des MMO. Bah, ils sont là en fait. Ouais, pas. Attends. C'est quoi? Ah, tu quoi? Mais peut-être pas. Hein. C'est pas impossible. Pourquoi c'est pas impossible? On est fait de votre MMO. Ah putain! Il s'en sort là! Il a flash à travers le mur là. Là ça va, il y a sur le game, c'est pas là. Trop terrible ce marteau. Il fait une bulle temporelle. Des animaux, j'allais dire. Les mobs ils sont ralentis 50%. Au très bon game, mode fils d'up. J'ai soif, j'ai plus de coca, c'est un calvaire. Ouais, attends, je chasse. Arrête le coca, oublie. Anis, tu vois les courbatures, c'est de pire en pire. Hein. Non, tu vois les jambes, moi, mais je n'arrive pas à marcher. Non, les jambes, c'est abusé, Gwen. Je peux même pas apporter ma fille. Elle me court dans les bras, j'arrive même pas à la lever, frère. Ouais, ouais. Tu sais que je voulais aller ce matin, tu te rappelles? Impossible. Impossible. Courbature de fou. Non, non, Alice, tu dois y aller. Non, mais t'es devenu fou, quoi. Si je connais. T'as pas compris. Je n'arrive pas à marcher. C'est 5 minutes. J'arrive pas à marcher. Écoute, je t'explique. Je disais ça, la même chose. Mais non, je vais me laisser. Non, il me disait, c'est ça la différence avec un coach. Un coach, je te lève, frère, y'a pas de. J'ai non, mais t'as les petites courbatures de fatigue et t'as les grosses courbatures. Faut pas s'entraîner, tu te blesses. Si, tu peux jamais s'entraîner sur les grosses courbatures. J'ai mis lourd sa mère là, non. David, y'a deux types de courbatures. Je sais lesquelles tu parles. Oui, tu fais des décrassages. T'as pas envie et tout, mais faut y aller quand même. Mais là, c'est les celles où si tu vas, tu te blesses. Et genre, j'arrive pas à déplier mon bras en entier. Mais j'arrive pas. Si bah, exactement. Ah, enfin, si attends, déjà, ta jambe en entier. T'as vu? Oui, c'est une catastrophe. J'ai mon R. Tu jungle, niquez vos mères. Faut le. On a un smite là? Mince. Faut plus le. Ah là, il a commencé à moi, ce fils de pute. C'est bon. Là, le jeu est fluide. J'ai mis les bons réglages. Je crois que le DLSS version AMD, même sur les cartes Nvidia, ça marche. Est-ce que t'as vu Karim? Je te stream. Hein. Ah, eh ouais, il a pas vu, je suis en train de capoter. En ultra, mais ça passe. Eh oui, frère, tu mets une. C'est bien, très fluide. En fait, j'ai fait le teamfight à côté, et le Drake il était low. Et j'ai vu le Tamken qui croyait qu'il allait finir le Drake dans mon dos. Et j'ai gardé un dash de côté. Dès que j'ai vu qu'il avait 200 HP le Drake, je l'ai dashiné et je l'ai tué. Ah, c'est dommage en fait. Ils sont tous dans leur jungle à se battre pour un raid. Je
push top ou c'est... Il vaut mieux rester groupé, tu crois, là. Je vais push top. On va faire un lithoplastron, voilà, c'est ça. Laissez bien et pas bien lithoplastron parce qu'il donne pas de HP. Et dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de AP en face... Ah, bah... Ouais, plaque du mort, alors. De faire... Pas plaque du mort. Cœur gelé. Voilà. Il donne des HP ? Il donne pas de HP, mais c'est l'item qui a le plus d'armor dans le jeu. Ah, sur moi ? Lol, le fou ? Pas du tout. Okay. Oh, c'est quoi ça ? Pas du tout. Ah, pas c'est les éclairs contre le ciel. Ah, mais il est level 18. Merde. Venez. Ouais, cœur gelé, pourquoi, Nyx ? Parce qu'il a du romal, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Qui réduit toutes les dégâts de toutes les auto-attaques. Et t'as que des auto-attaqueurs en face. T'as Lucian, t'as Nocturne, t'as Tam Kench, t'as Riven. Ah, tout ce que je lui ai mis, c'est parti dans le vent. Nocturne, il est en train de back, hein. Vous avez le temps de la tuer. Ça doit le tuer. Bah, je cherche pas, arrête. Je sais pas, je veux juste pas qu'il back. On peut... Ça se dive ou non? Pas du tout. Pas là, moi. En vrai, c'est greedy, non? Bah, okay. Tu l'as plus. C'est bon, vous avez fait le taf, bougez. Ouais, je peux manger un R là, je pense. Je vais pas jouer rester avec eux. Pourquoi je peux pas claquer mon. C'est grid. Bah, regarde-les, il va. Recule, Anis. C'est possible hein, que vous arrivez à le tuer, mais. Le risque, ça en vaut pas quoi. On va la gagner la game. Ouais, voilà. Maître Yi, pas de flash. Ok. Normalement, oui. Que les bons Maître Yi ne sont pas. Ok, bah, apparemment, je suis un bon Maître Yi. Super. On a grid, t'as raison, de ouf. Mais j'étais obligé de rester pour les follow parce que si je les laisse, connais. Mais si, à Bayelo, les absents ont tort, tu le sais, frère. Ils veulent rester là, t'es obligé de rester, même si tu sais. Histoire de limiter les dégâts. Si on meurt tous ensemble. Tu vois, là, t'aurais pu. Tu serais parti, t'aurais push une autre lane. Parce que là, regarde, ils vont faire un trou, ils vont prendre le. L'inhib. Moi, pas d'amour, j'y vais là, ils vont me tuer. Oh. Voilà, donc ça nous coûte l'inhib ce grip. Il vient ? Non, il s'échappe. C'est bon. Prends le Lucian, je te mens pas, il est mort. J'ai envie de la jouer, ton champion là, Decoy. Diana ? Ouais. Oublie, ça se fait. Ah non, on continue, je vais faire encore un peu. Ah, donc tu rentres sur moi ? J'arrive. Viens vers. Cale vers le bas. J'essaye, je suis fier. Je peux pas, j'ai pas de chrono. Putain, Nocturne. J'ai trouvé les bons villages. Salut, ça va, chef ? Meoka, à League of Legends. Diana, il s'appelle, c'est ça, j'ai envie de jouer Diana. T'as abusé le fire, voilà. Tu joues plus belle cause ? Si, aussi, mais pas que lui, quoi. Mais pourquoi tu restes pas sur. Pourquoi tu restes pas sur un perso ? Belle cause, c'est un mage, Diana, c'est un assassin. Après, les deux sont AP, c'est vrai que. Mais. C'est mieux d'en faire plein ou de rester sur un seul perso ? Enfin, un seul. Pas plein, mais pas un seul. Faut un petit pool quand même. Parce que si tu connais qu'un champion et que oui, genre il se fait ban ou ouais, quoi. Mais là, il en connaît assez, non ? Ouais, il joue qui ? Il joue Cassio. Anivia un peu. Sylas un peu. Et Vel'Koz et Cassio, bien en vrai, c'est tout, non ? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as deux. Deux mages, deux AP quoi, que tu connais bien, c'est tout. Non, Anis, non! 4 persos en 6 mois, 5-6 mois? C'est dur, hein. Y'en a que t'as beaucoup squatté alors. David, tu comprends pas de quoi on parle, frère, ça sert à rien. C'est pour ça que je pose des questions. Mais non, mais. Enfin, bon. Tu sais que c'est quand même. Ça met mal à l'aise, moi, frère, parce que. C'est un vétéran PC. Qui essaye de prendre de haut un ancien joueur console qui a un PC depuis 6 mois.
Tu vois, et c'est le vétéran PC qui mousse clic, qui essaie de se moquer de l'ancien joueur console qui joue à League of Legends et à Escape from Tarkov. C'est grave malaisant, David. C'est ça que je suis en train de te... Tu prends mal. Il y a une mise à jour aujourd'hui de Tarkov sur les cartes Nvidia. Et à ouais, je comprends. Pareil, c'est pour la latence, je comprends. Bah donc tu sais ce que ça fait quoi. C'est-à-dire de recevoir des conseils de gens qui n'ont pas d'XP. Bon le jeu je me rappelle plus League of Legends, mais là c'est pour ça que je pose des questions. Tu devrais t'impressionner, m'encourager au contraire. Elle est louche, je pense. D'autres non, joueurs console. Mais bien sûr qu'elle est louche, frère, ça va chier. T'as vu le move Greedy tout à l'heure Ouais ouais. Il nous a coûté la game. Donc c'est par là-bas. Ça se joue à un move. Fini. Vas-y, fais-toi catch, hein, je suis là. Recule un peu. Bas, mais... Ouais. J'arriverai pas à le choper. Moi. Ma slow et tout, fils de pute. Je l'ai attrapé. Pour d'où lui? Okay. Ouais, c'est le seul moyen de gagner, c'est faire de l'âge, je pense. Encore. Si je bague pas, ils finissent les clips. Il tue ou quoi là? Mais oui, je nous tue, on a pas de dégâts, frère. On a zéro pas, dégâts. Ça s'active pas avec le marteau. Oh là là. Oh, oh sur moi. Là. Ils finissent. Je suis là dans 3. Bon. Ils sont fait voler le ballon à le baron. Par talon. Tu le crois ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette équipe, frère? Il va finir là. Dès qu'il réapparaît, faut le stun. Hein. Ok, je bloque là-dessus. Ouais, bof. Il pourrait porter le Nautilus, s'il te plaît. Quel cauchemar! Dans Dota, tu peux pas reporter un mec parce qu'il joue mal. Tu peux le reporter par exemple parce que. D'autres trucs, mais des trucs parce qu'il joue mal, bon. Y'a pas cette mention dans les choix. Mais tu... Peut-être que tu joues pas en classé. Ah, il va être inarrêtable lui. Toi, lui aussi, il est gris de sa mère la pute. Là, par contre, là. Est-ce qu'ils vont battre quelqu'un parce que. Il joue mal, crois pas. Abusez-vous. En fait. Je sais pas jouer mal, ça s'appelle speeding intentionnel. Voilà. C'est ça, il faut le. C'est pas ce qu'il jouait mal. S'il joue mal, il va juste descendre en elo et il va jouer avec des mecs nazes comme lui. Ou des joueurs toxiques comme lui. Il va qu'aller en faire quoi. En fait, en faire, c'est tous les joueurs qui s'en battent les couilles. Genre des items, des champions et tout, des lanes. Mais comme David, ils s'en battent les couilles. Ouais. Il va se faire clutch le Galio. Là maintenant là. Ouais. Oh, Drake. Ouais, faut pas qu'il ait. Hein. C'est le. Marteau, c'est le marteau. L'âme du Drake terrestre avec Tam Kench, on est mort. C'est là. Allez, venez. Là. Non.
Mais frère, Nautilus, il a rien eu depuis le début. Le... J'ai l'armure la plus puissante. Elle fait trop mal, l'autre. Du zonage, un mongol. Le cadeau. Il a loose le baron, il a loose le Drake. Fait pas de dégâts, je te jure, c'est un calvaire ce Nautilus. Il a été... Ah, priorité. Il n'existe pas des communautés de joueurs sur le... LOL. Genre. Et où. Bah tu groupes tout le temps avec des mecs que tu connais, comme ça tu es sûr que, enfin, des mecs de la communauté, comme ça t'es sûr que les mecs savent jouer. Non, tu peux pas faire du classé, ça s'arrête à duo. Ça s'arrête à duo et à partir de diamant tu peux même plus... Ça c'est incompréhensible par contre, un joueur en 5 contre 5, tu peux pas jouer en classé, en team. Si tu peux jouer en classé en 5, mais ça appelle de la classé flexible, c'est pas le même... C'est plus chaud. Non. Pas plus chaud, c'est que tu tombes que contre des équipes, quoi. Bah c'est cool, c'est ça moi qui m'intéresserait. C'est les LAN de la guerre. C'est pas... Là, eux, c'est pick-up, dans League of Legends, on mesure le vrai niveau des joueurs par rapport à leur classement en solo duo. Ah. Ouais, mais bon, je sais que je m'amuserais mieux en team. Si je compare ça par rapport au BG sur... Ouais, qu'on rigole bien en team, mais... On bouge. Nautilus seul. Au mid. En plus vous êtes assez. Ah. Et moi vous êtes sûr. Vous râlez pas de tomber avec des mecs. Vous savez pas ce qu'ils vont faire. Ah, bon. Ah, on n'a pas de dégâts, je suis désolé. Par où maintenant ? C'était quoi déjà? Je crois que c'était ça. C'est quoi que je dois jouer? Je dois jouer Cœur de Kraken avec mes truies. Vraiment. Ça dépend s'il y a des tanks ou pas en face, Karim. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Kane. Tu peux jouer Draktar alors. Tu peux jouer Draktar ou tu peux jouer Eclipse. Jouer arc bouclier immortel aussi. Ah ouais, j'aime bien, il y a de la régène en plus, parfait, je prends ça. Sceptre vampirique. Ok. Ah ouais, ça bug, c'est le même bug en fait. Il y a un bug. Je me montre pas le troisième. Oh, que... Non, voilà, regarde, il y a que nous quand j'ai des dégâts. Moi, bon, Yasuo, on éclate tout le monde aux dégâts et ils nous ont quand même éclaté en face. Je sais pas où c'est. On sait quoi, je vais monter. Ah bon, c'est... Take my hand.
Fais mourir. Voilà. Incroyable qu'il les dégâts qu'il fait déjà. Ah, j'ai rendu un destiné, j'ai hâte de le reprendre. Ah, il est mort, je prends sa jungle. Vous jouerez Karim à destiné ou pas? Ouais, je crois pas. Est-ce que toi... Ah ouais, c'est vrai, tu l'avais lancé à un moment et t'avais pas suivi, je me rappelle. Est-ce que... Si, on l'a, en plus. On l'a, moi, Mehdi, Karim, on a la dernière extension. Ok. Est-ce que quand tu jouais sur ton PC? En pleine game, David, par contre. Oui, oui, c'était, on a joué il y a même pas, okay. Il y a un mois ou deux. Et je crois qu'on a fait la sortie de la dernière extension, je crois, je me rappelle plus. Courbature, ouais. C'est illégal. Je vais essayer de le reprendre vite fait alors. Non, c'est pas ça. Mais Mehdi joue pas souvent au jeu. Quand il bosse pas, il joue. Hein. Ouais. Mais. Faut y jouer à ce jeu. Ouais, ça te manque du temps. Ouais. Ouais. Guys, on a lose. Le temps, vous l'avez, hein. Enfin, peut-être pas Mehdi parce qu'il travaille. Mais... Gwen, t'es pas là? Là, je suis là. Ouais, deux secondes, j'allume un charbon. Hein. Deux secondes. Vas-y, vas-y, ben moi je vais manger un truc. Boire. Oh, tu vois, comme j'ai mal à Nice, c'est abusé. Même quand je bouge pas, j'ai mal maintenant. C'est. Courbature 2.0. J'ai envie de me fixer le stream deck en dessous du bureau avec le petit socle. Comme ça, il est juste là où il y a ma main. J'ai pas besoin de tendre la main jusqu'à là-bas à chaque fois. Moi, je vais le fixer. Yo, beau gosse, ça va, Nico? Attends, je suis en 0-2-3. 3 fois je me fais KS le kill, je suis un peu déçu. Pour un jungler, c'est un peu triste. Bon. Tain, c'est dommage quoi, il y a un coffre, je sais pas où il est. C'est quoi ça en fait? Tain, là. C'est quoi qui est triste dans ce jeu? C'est que quand tu prends un tank, c'est lose. C'est malheureux, hein. Bah, ah oui, carrément. Là, on avait 3 tanks, ouais. En fait. Ouais, c'est... Tu peux pas... C'est... Tank, c'est que... en vrai, c'est que chez les pros et tout. Non, tu peux, mais... Mais pas 3, frère. Pas 3. Là, il y avait Nautilus, Galio et toi. Quoi? Parce qu'en fin de game, il sert à rien? Non, c'est parce qu'on manque tu de fais pas dégâts. On manque de dégâts en fait. En face, il y avait un Lucian Fidamor. Jouer. Et il tank pas les dégâts, alors il tank, mais il passe. Bah, on est tank et jusqu'à quand? Parce qu'on peut pas le tuer. On a pas les dégâts pour le tuer et du coup, il te tape à l'infini. C'est de la merde d'un tank. Non, on avait un problème de compo, c'est sûr. Mais déjà, il prend Nautilus Jungle. Tu vois qu'il y a. Comment ça s'appelle? Que t'as deux autres tanks. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu pars full dégâts. Il est parti full tank, ce fils de pute. Parce que Nautilus, il part full dégâts, il fait mal, hein. Je crois pas, hein. Attends, j'arrive. Bizarre qu'il n'y a pas des communautés de joueurs corrects, quoi. Ils sont créés. Cette merde. Tu parles seul, ça. David, pourquoi tu parles seul? Je parle pas seul. Je parle de League of Legends, je dis. C'est bizarre qu'ils ont pas créé des communautés. Enfin, je suis sûr que ça existe. Mais c'est la communauté la plus grosse de, du monde. Oui, mais bah, justement, des communautés de joueurs entre vous, quoi. Où vous connaissez le niveau des mecs, recruter. Au moins, vous jouez ensemble à chaque fois.
Non, League of Legends, je t'expliquais, c'est un jeu où les joueurs ils ont... Il y a un Discord, ça s'appelle League of Legends France. Tu peux trouver des mates et tout, mais... Voilà. Juste que voilà, on joue entre nous. Mais on veut pas de mates, on s'en bat les couilles. Ouais, moi je m'en bats les couilles. En fait, tu sais ce qu'il cherche, David, il cherche la facilité. Il cherche un mec qui le PL jusqu'à Challenger. Non, non, pourquoi? Si, si, c'est ce qu'il cherche un petit peu. Mais non. Challenger en plus. Je vois pas l'intérêt en plus. S'il y a du stuff, un skim. Un titre, je m'en fous du titre. Ah, en plus, c'est vraiment un jeu où tu peux t'en boucan, League of Legends. Ça peut créer des tensions, c'est comme l'arène dans WoW. Y'a trop d'ego. Y'a trop d'ego. Avec Medibedin, dans WoW, quand on faisait de l'arène. On s'emboucanait tellement qu'on se parlait plus pendant 2 semaines des fois. Oui, ils s'emboucanaient à mort avec Medi aussi, je crois. Ouais, mais là, c'était, eux, c'était pas pour vous, mais... Mais je te parle de World of Warcraft, là, non. Et la c'est pression, pas Medi, c'est Rémi, Rémi. Non, avec Rémi. Ah oui, ouais. Avec Rémi. Avec Rémi, abusé. Oh là là, tu pètes. Oui, oui, sur la place blanche en bas et tout. Tous les jours. Oui. On organisait des têtes, Vincent et Rémi. Abusé. Ah, oh, Vincent, non, il le démontrait. À cause de League of Legends. Non, de Warcraft. Ah, Warcraft. Costaud, Vincent. Vincent, ah, il le dégommé, frère. Je m'en rappelle. J'ai jamais vu Vincent Fantin perdre la tête. Bah, t'as écouté. Vincent Fantin, il a jamais perdu, frère. Abusé. T'as un bouchon, Vincent, l'ambulancier. Non, non, le frère Florian Fantin. Frère, il a jamais perdu. Je l'ai jamais vu perdre. Il démontait le rappel, le frère. Ouais, ça vient de Benazanzou. Ça vient de Benazanzou. Yes, Ryui. Il s'est tout fait. Le petit Khel, là, Ludovic. Waouh, wow, ouais, il le dégommait à lui tout le temps. Mais est-ce que t'as vu comment il a méga là? Boule, ouais, c'est un mort. Mundo, Mundo top. Non, j'ai rêvé de match de Lynn, plus truc de fou. Oh putain, je viens de m'en rappeler. Je viens juste de faire un rêve, elle était dans mon rêve. Parle pas fort, putain. parle pas fort. Il y a de problème. Elias, la première fois qu'il a marché de sa vie, c'était avec moi. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais je me redis. Elias, le petit là, Elias. Ouais, il a des lacunes. Il a des lacunes. Gwen. Je crois qu'il a des grosses lacunes maintenant. C'était sur la il est pas bien le gosse. Bah, j'étais là quand il est né. Déjà. Mais la première fois qu'il a marché, ça a été moi. Le père. Dans mes mains, il était. Gwen, c'est quoi le deuxième arbre de Poppy? Inspiration? Inspiration, tu la joues résolve là, premier. Je peux prendre ténacité en vrai, je suis ouais, obligé, moi je pense que tu prends domination. Ouais, présence d'esprit et Ah non, ah, ok, non, ok. Le ténacité. Sway, okay. Nakaliwa, il y a beaucoup de ouais, trucs. Ça marche. Moi je sais pas où aller les gars. Je vais la jouer comme ça. Oh, t'as vu. Putain, chier, c'est... je vais jouer TP. Et ouais, je me rappelle d'une fois, rien à voir. On était en train de quêter, c'était où? Ça devait être vers les marches de l'Ouest ou je sais pas où. Moi j'avais un rogue. Medibedil un war. Et Rémi c'était le healer, il avait un prêtre ou un pal, je sais pas. Et on en attaque un pack. C'est un jeu de fou, wow. Mais Medibedil il tank, il prend 2-3 mobs. Et tu sais, à l'époque c'était dur, hein, c'était à l'époque de BC, ça devait être. Donc dès que tu prenais une aggro, fallait être tout le monde chaud, quoi. C'est comme si c'était en donjon. Et donc Rémi devait heal. Et donc Medi commence à tanker. Moi je commence à DPS. Et je vois Rémi, je vois la vie de Medi qui cale. Et Rémi il commence pas à caler ses sortes, hein, il attend. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et Medi commence à dire, heal! Heal moi. Je vois que Medibedil il claque une potion. Je vois que la vie recommence à descendre. Je vois que toujours pas de heal qui part. Et je vois Rémi qu'est-ce qu'il fait. Il court dans l'autre sens, il aggro un autre pack. Oh là là, j'étais énervé à mort. Medibedil est énervé à mort. Il a dit, sors en bas de chez toi maintenant, je te dis que ta mère la pute. Oh, je pleurais de rire. Il s'en sortit sur la place blanche, moi j'étais à la fenêtre. Et je le voyais, il mettait des patates dans la tête. Oh, j'étais abusé. Ah. Medibedil il a joué à WoW. Putain qu'il a joué, à mort il a joué. WoW c'est vraiment le meilleur jeu, je sais pas pourquoi il stream pas David, c'est vraiment un méchant jeu.
C'est attends. Juste moi, j'ai du mal à mort avec le truc de farming là. J'ai besoin d'un nouveau MMO, un nouveau. J'ai lancé hein, il y a 3 jours. Et oui, t'as besoin que d'un côté. Tu parles. Ah, le jeu il a 20 ans, frère. 16 ans, frère. Les confessions sortent le leur, mais c'est dans 2025, je crois, ça, Gwen. 2023, les habitués. J'ai pas confiance. Désolé, j'y crois pas du tout. Par rapport à mes goûts. Par rapport à mes goûts. Pas, Riot, tu t'en vraiment déçu. Parce que Valorant, je le trouve horrible. Et bon, League of Legends. Ah, graphiquement, je parle. Parce que Valorant, oui. C'est quand même un succès. Hein. Oui, voilà, mais pour moi, s'ils sortent un MMO avec des graphismes comme ça, ça m'intéresse pas. Là, ils sortent un RPG tour par tour, là, bientôt. Il faudrait un WoW 2. Mais avec des graphismes. Ouais, mais non, 11. 3. Mais Shadowlands, il est bien graphiquement, t'es un fou. Non, ouais, il est bon. Non, non. Non, non, le plus beau MMO là que j'ai vu, c'est Lost Ark. Black Desert. Et... C'est quoi Shadowlands? Non, mais Lost Ark, c'est pas la, c'est... la dernière extension de vous. Lost Ark, c'est de la 3D précalculée, donc c'est facile. Mais oui. Oui, voilà. Mais Black Desert en ultra, c'est. Oh là là, la folie. Capoté, j'ai rien à voir avec la version console. Mais c'est pas, c'est franchement libre aussi, Black Desert. Hein. C'est un faux MMO, c'est instancé, c'est pareil. Ouais, mais c'est... les zones elles sont vastes. Ouais, mais c'est pas un MMO, frère. C'est... Tu peux pas comparer WoW. Parce que WoW, c'est un vrai monde ouvert. C'est instancié. Mais c'est instancié, WoW aussi. Pas d'un brin. Si. Pas d'un brin, il y a zéro temps de chargement entre aucune zone. Sauf non. Tu te TP du nord de la map au, ouais, au sud tout. De la map, là, oui. Mais ouais. Sinon, tu passes de zone en zone, il y a zéro chargement. Ah, je sais pas, je suis allé jusqu'au level 16, c'est tout sur Black Desert. Et les zones, c'était vaste. Hein. J'ai pas c'est des grands couloirs. C'est comme Monster Hunter, non, Black Desert. Non, c'est pas des grands couloirs. La zone elle est grande. Si, c'est des grands couloirs, je suis certain. Ouais, mais la zone elle est grande. Terra aussi, c'est un peu le même délire. Ouais, mais c'est pas gênant, du tout, du tout. T'as pas l'impression d'être cloîtré ou quoi. Ouais, mais c'est un faux MMO. Donc, du coup, tu peux te permettre d'avoir toutes les ressources que t'as pas mis dans un vrai monde ouvert, tu peux les mettre dans le graphisme. Mais t'as pas un vrai monde ouvert. Ouais. Et bah, au jour d'aujourd'hui. T'as sacrifié un moment ou un autre. Bah non, franchement non, avec les nouveaux SSD et tout, ils devraient se démerder, c'est tout. Regarde, Warzone il fait 300 gigas, frère. Il faut un MMO, et voilà. Non, mais attends, Warzone c'est une map. Une map, frère. Ouais, mais tu peux jouer à 150 en même temps. Et alors, WoW, il y a combien par serveur, frère? Ouais, mais quand il y a un lancement d'un raid ou quoi, il y a 2000 personnes au même moment. Oui, mais le graphisme de Warzone, il est cool. Bon, moi, je te parle, Warzone c'est pas un bon exemple. Oui. De toute façon, tu veux quoi? Tu veux dire que Blizzard est dans des mauvais serveurs? Non, ils ont le max qui existe. Oui, mais les jeux l'est dépassé. Complètement ultra, méga, fulgurant. Non, il est pas dépassé. Non, graphiquement, techniquement, il est ultra dépassé, arrête. Ah, je fais de la merde. Ça fait 10 ans qu'il est dépassé techniquement. Après, voilà, les mecs, c'est des génies, ils ont... Oh, les gens, ils sont pas restés pour le graphisme. Ces derniers jours. D'ailleurs, moi, je peux jouer. Oh que oui, je reprends demain le taf. Mais bah, je suis jungle et je m'amuse pas de ouf, on va dire. Si. Oui. Genre du dodge. T'as envie de reprendre où? T'as dit? Et j'ai compris ça que Karim il a dit ça. Moi ça y est, j'ai déjà créé mon... Enfin j'ai déjà commencé à Apex mon nouveau stuff là. Moi je te dis venant va sur Destiny. Le jeu il est trop magnifique. C'est pas toi qui m'occupe quand on joue à ça? Avec plaisir, mais c'est pas un jeu où je vais passer mes journées entières dessus, justement pas. Ça me saoule vite en fait, les FPS. Ouais, je peux jouer une heure, deux heures, mais voilà. Ah non. Ah ouais, mais c'est pas bon. C'est pour ça que pour moi, le format FPS MMO, ça marche pas trop. Tu peux pas être tout le temps en train de viser, de tirer, dans le feu de l'action. Moi, je l'ai fait sur Division, 1000 et quelques heures. Et c'était très cool. Ouais, mais Division, déjà, c'est un peu plus... T'es un peu caché, alors que Destiny, frère, dès que les mobs ils arrivent, ça tire de tous les côtés, tu peux plus faire de pause. M'a abandonné, wallah, la Nunu, m'a abandonné. Je suis venu, moi. Non, mais tu sais pas, la Nunu, tu sais pas, à me regarder. Ouais, je sais, frère. Ah, c'est trop, pas comme ça, frère. Attends. Et là. Y'a Akali. Tiens, j'aimerais bien lui faire du mal. Y'a Akali qui est vers le top. Je vais l'éteindre. Hein. Voilà. Je repasse en Aerie, c'est fini. Là. Ça va être un V9 ce game.
La map elle est grande. Oh. Je joue deep. Non. J'ai même pas c'est quoi son air. À qui? À notre I. Je cours juste plus vite. Tu cours plus vite, t'es plus tanky, tu fais plus de dégâts. Ta vitesse d'attaque, ouais, elle est plus rapide, je crois, non? Un truc comme ça. Ok. Je crois que c'est les auto-attaques qui font des dégâts en plus, je crois. Je sais plus. Ah, peut-être. Je veux son noir. Je vais lui faire du mal. Je perds une plaque là-dessus. Pour que j'achète la Kali et que je la joue, parce que je connais aucun de ses sorts. Bien joué en plus. Moi je vais me casser, je trouve pas le. Frère, je l'ai touché là! C'est hallucinant. C'est hallucinant comme tu fais pas peur, Volibear. La Mundo. Il me campe, Anis. Hein. Ils sont toujours à 2 ou 3 sur ma lane. Ils ont vu le sonnoir, ils sentent la patate. Aïe aïe aïe. Bon, on peut gentiment faire, je pense. Ouais, je suis à 19 minutes, je suis à 192 CS. Je suis de sa mère. Un camp CS. Donc t'as à fond BG et tout. Le PVE, je trouvais ça vraiment nul à chier, je me demandais comment il faisait à faire du PVE. C'était un bon petit moment pour me répondre sur Discord, j'ai commencé à me fixer mentalement. C'est bien, ouais, mais je peux pas faire que ça moi. Je regarde après la game. Mais en fait c'est cool. Tranquille, c'est relax, c'est fun, c'est... Gaming quoi aussi. J'aime bien. J'aime tout. Ah, Volibear il m'a gavé. C'était bien. M'a gavé. C'était bien nul. Là par contre. C'est bien nul à chier cette game. Alors. Ah tiens, elle arrive sur toi, Voli. Tu veux passer poste, Nico? Ouais, pas de problème. Ah non, j'ai rien. Non, j'ai rien, mon pote. Désolé. On va faire les râles de Voli, fais gaffe.
Regardez un test sur les webcams. La Kyo Razer, elle est mieux que la Logitech Brio. Ah non, il me tanque encore, frère. Je suis un peu deck, j'ai envie de la revendre pour prendre l'autre. 50 euros moins cher et elle est mieux. Fais gaffe, hein. Ça se TP à Nice. Bien joué. Bouge. Putain de mundo de merde. J'ai un TP. Marqué, tu l'as non, non. Mais non, mais il est nul. Oh. Il est nul. J'ai pas mon dash, je l'ai plaqué sur mon dos. Est-ce qu'il est au bon j'ai moment? Juste mon Q. Non, il serait mort. Bon, bah, je peux pas trouver le corps, je me suis baladé dans toute la map. C'est pas du tout où il est. Donc je quitte la game. Ça sert à rien. Et je vais avoir du 35 encore. Je ah ouais, le 50 je l'avais pas du tout. Jouer trop vite. La son noir stacké au max. Je déteste le nunu. Elle a deux levels d'avance, son noir stacké au max. Elle est en 4-0. Je peux plus jouer. Fini. Alors qu'elle touchait pas un sbire. Poste de quoi? D'un jungler à chier, frère. Il manque Akali au mid. Ah. Pas faible. Il nous la faut cette sale pute. Il nous la faut parce que. Faut lui enlever son saut noir qui est trop stack. Ah. Mundo là? Dans la river? Améliorer le truc. Incroyable la régène. Il n'en achète.
avec le boss, ok. Ouais, mais du coup, j'ai pas eu le temps de farm mon outil. Ah, il m'a tout pompé là. C'est pas facile. Ok, fasse gaffe. Que je fais ça, c'est TP. Pas joué, pas joué. Oh, l'orange, j'ai la dalle en fait. Ok. Pas fait. Rien faire. Ah. Dans un certain ordre. Ok. On va mettre 3. Enigme va chier par contre. Enigme sont à chier. Pourquoi faire un Luden alors que c'est un Liandry qu'il faut faire? Ah non, il faut que tu tues l'autre là-bas, pour qu'elle les soigne, putain.
plaisir à les soigner. M35, cool. À mon avis, le vendeur est bon. Il y a un projet de Nunu, c'est un gold. Bon, pas un clou. Toute leur lit, Volibear, il a squatté dans ma. Au mid, il est pas venu une seule fois. Ah, les mêmes histoires. Il la gonfle nulle part en fait. Il la gonfle nulle part. Espérons qu'il farme bien, au moins. Même pas, il est trop nul. Oh là. Le Volibear, il a fait un massacre. Je le vends dans, de la dans les yeux, ça m'a séché les yeux, putain. Sur la tour, hein. Sur la tour. Aidez-moi à nettoyer, mec. Attention à son nul. Trop mal, par contre. Abusé de Nando. Elle m'a pris le kill Morgana, je suis énervé de fou. Oh. T'as fait quoi Morgana? T'as pris le kill? Elle m'a pris le kill. Ah. J'ai dashin, je me suis sacrifié pour le one shot. Essayer de choper des golds et une interrupt et me remettre un peu dans la game. Et elle a pris le kill. Alors que c'est un sup, elle est à chier. Ah le pute. On va voir la niveau de rec, c'est vrai. C'est chiant mais sans plus. Je sais pas ce qu'on voit les games. Les looms hein. Oh putain. Donc là vous jouez à 3 max à chaque fois. Hein? Non, à 2. Il l'avait pas eu? Je le sers. C'est bon, elle a eu. Attention, ça va arriver. Je peux pas placer un meilleur ult. Je peux pas placer, frère. J'ai eu les 4. Les 4 qui restaient vivants, je les ai eus dans l'ult. Tout le monde est-ce a reculé. Qu'elle est nulle, la Nunu. J'ai cancel le R2MF et tout. J'avoue, il y avait personne. Ah, ils sont trop big tous. Il y en a pas un en négatif en face. Non, parce que j'ai foutu, j'ai claqué ma bannière. Même pas le support. Même pas le support. Je veux dire là. L'écart. Est-ce que c'est nul de jouer un tank? Ah bon? Pourquoi tu joues un tank alors? Et tu devrais jouer déjà pour Fender Divin pour avoir un peu plus de dégâts déjà. C'est incroyable, t'es spectateur. T'es là, tu tapes. Oh. T'es là, t'es bon qu'à encaisser. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur, Anis. Grave. Ils mettent non en plus, ça me rend ouf. Mais t'es qui toi? Propi. Ok, viens là. Quand même. Oh là là, il est venu là me chercher. Incroyable. Et maintenant. Comment il savait? Il me guide plus, donc je pense que c'est normal. Un creep peut-être. C'est vraiment la map qui bug hein, dans. C'est que c'est normal, mais non.
calmer. Voilà. Je reste dans le sac. Et on va faire la direct soul. J'arrive. Recule, recule. Ah, Nice, tu me l'as enlevé. Tu lui as sauvé la vie. Qu'est-ce que c'est dur. Pas facile. Qu'est-ce qu'il faut pour continuer la campagne? Dommage. Il est beau ton skin en tout cas. Okay. On dirait le Tahir. De rien, fils de pute. Il est sourd ou c'est quoi ton problème? Bon, c'est bon. Eh, vas-y, go, 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 FF. Mon gavé. Ah, ça y est. Il est resté 4 heures dans la flaque. Akali. Non, mais Akali. C'est bon. C'est bon, allez, c'est bon là. C'est rigolé. Ça sert à rien. C'est triste, hein. Regarde, hein, je vais prendre Wukong létalité, je vais lui pisser dessus la game. Ça va être là la preuve vivante là. De compo là. Ah, je suis recalé bronze 4, magnifique! Yes! Yes! Ah non, je suis argent 4, c'est la flex, ça a rien à voir. Je suis recalé quand même bronze 4. Magnifique. Oh, et après, c'est silver après? C'est bronze 3. Bronze 2, bronze 1. Regarde, tu crois que je suis ban là? Une meuf, elle s'appelle Nelia. En fait, y'a pas plus que... Faire la cuisine, pétasse. Get out of Europe. Comfort and purpose. I meant, if we didn't have this crisis, I would still be locked away in that temple. En fait, y'a beaucoup plus que 9... You set me free, Oren. La 5 fois 9. Thank you. No thanks necessary. You are giving me another chance to face my brother. We have all the pieces in place. It is time to face Makros' most loyal follower, the Gildan commander. Donc le boss, il est level 28. Écho. Il m'a asséché l'œil. Non mais le nu, il est gold, frère. C'est... Petit feu. Il est palate, il est gold. Il est sur son main, il est jungle, non, c'est de la folie pure. Premier dégât en étant mort le plus de fois. La Caitlyn, elle ouvrait son cul, elle a 11k damage. Le Nunu, il est en 10k, c'est bon. J'ai fait des dégâts, moi, quand même. Alors, il est où le boss? Oh, magnifique. Bah, toi, faire des dégâts, c'est à la DC, frère. C'est... Elle était là à parler, elle soignait son KDA, dès qu'elle a un teamfight, elle est reculée, c'est cette pétasse. Ça sert à quoi sur les sponks KDA, les gars? Ouais, t'as un meilleur MMR? Bah, t'es un brun? Ça sert à rien du tout. Je suis sûr que oui, moi. Je suis sûr qu'il y a un truc, les frères, avec le KDA. Genre, certain. Je sais pas, mais c'est pas du tout mon style. Regarder les autres mourir juste pour soigner mon KDA. Trop beau. Ouais, je sais, moi non plus, frère. Hein, mais bon. C'est des fois ça qui te coûte de pouvoir peut-être carry la game après, tu vois.
Nonchalant. Ne pas aller dans un teamfight de fou furieux. Ouais, mais tu sais, un teamfight, tu sais jamais l'issue. Après, si tu dis pas de se suicider, tu sais jamais l'issue. Mais ne pas y aller, l'issue, par contre, tu la connais. C'est sûr que tes collègues vont mourir. C'est vrai. Ou carrément, si t'es pas allé et qu'ils gagnent sans toi, c'est encore plus la honte. Je préfère même pas le jouer plutôt que manger la honte comme ça. Allô. Ouais, vous êtes qui? Ulu. C'est des menaces. Ok, vous allez m'appeler. Attends, juste une question. C'est quoi? Vous allez marceler tout... C'est quoi? Il y a mon niveau affiché chez vous? Vous marcelez 20 000 appels par jour. Non, c'est pas la première fois. C'est pas toi, c'est ton ami. Dites-moi, madame, s'il vous plaît, c'est quoi? C'est une démarche commerciale? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'arnaque? Non, moi aussi, j'en veux plus, frère. Il en fout les conversations. Vous voulez quoi? T'as jamais entendu David le répondre. Par contre, je suis au chômage, je suis au RSA, je travaille pas, ma vie elle est pourrie. Vous voulez me gratter quoi encore? Oh, quand ils appellent David, il dit oui bonjour David, je vais vous dire gentiment pour que vous compreniez, vous avez allez bien niquer votre mère la pute. Elle ne m'appelle plus. Et allez, passez une bonne journée, c'est ça qui raccroche. RS, bouge, vais au téléphone. Tu m'étonnes. Eh ben, c'est quoi et pourquoi vous m'appelez? Il est encore avec. C'est beaucoup trop long, Annie, c'est beaucoup trop long, tu nous as bien raccroché. Ça y est, là, ils ont gagné là. Madame, je ne veux rien. Écoutez, si vous n'avez pas 100 000 euros à me proposer, ne m'appelez pas. Merci. Hallucinant, frère, il m'appelle 20 000 fois par jour, j'en peux plus. Toujours le même numéro là, 01, nique ta mère. Nique ta mère. Là, ils t'ont gratté des centimes, là, t'as répondu. Même 10 euros là avec la minute. Elle voulait juste trianguler ta position. T'es tombé dans le panneau. Maintenant ils sont encore beaucoup plus à pouvoir t'appeler. Ok, c'est un magasin de chicha. Ils vont t'appeler. Ouais, c'est bon. Tes préférences sont ceci, cela. Et puis quand on raccroche, les scrutins vers. Il y a son supérieur dans là. L'agent J, vous êtes vraiment le meilleur. Et t'es comment la meuf? C'était quoi T'as réussi à savoir c'est... qu'est-ce qu'elle voulait vendre? Blédard, Blédard, ça se voit. Il est branche, Khalid. Blédard du Maroc. Bah Khalid, il se débranche, il se fait des plans. Il est férié. Ils habitent à Dubaï. Pas à Dubaï, à Mumbai. Khalid, il peut prendre, mais t'as pas compris, Khalid, il peut prendre un billet. Les cosmopolites, il prend un billet, Gwen. Je te jure, et une fois il parlait avec une meuf de la Lituanie, rien à voir. Il a pris un billet, il est allé là-bas 3 jours, j'ai capoté frère. Il est dangereux. Non, j'ai pas réussi, mince. Dangereux, Khalid. Ah, je suis deg. C'est chaud. 34 jours, il me reste 34 jours pour être Silver. Et si tu montes pas Silver, il se passe quoi? Je meurs. Faudrait faire un jeu comme ça. Dès que t'achètes le jeu, t'as un laps de temps pour monter tel rang, sinon le jeu il explose. Il y a un visuel et tout. Et ton compte il est mort. C'est un carton. Et puis tu joues pas cher, 5€ en tout cas. Moi j'avais un concept quand j'étais petit, je voulais créer un jeu où t'achètes le CD mais t'as qu'une vie. Tu meurs, tu le jettes. Oh, putain. Les gens ils prennent attention à mort. Mais un genre de GTA, tu vois, où tout le monde jouerait sa vraie vie et tout. Diablo, il y a un mode comme ça. Diablo, tu crées un personnage, il a qu'une vie. Il meurt, c'est fini, je peux plus jouer avec. Ouais. T'as abusé. Jamais j'ai fait un personnage comme ça. Imagine, tu t'es appliqué, t'as mis les bons sorts, t'as looté des bons loups, et bim, tu meurs. Ouais. En plus, le perso, il est pas supprimé. Il est là, mais tu peux plus te connecter dessus. Tu peux le voir, tu peux juste l'admirer. En souvenir? Ah, en souvenir. Du bon vieux temps. Il y a Diablo 4 aussi qui va sortir. Hein. Ouais, ça va être intéressant, ouais. Je meurs 0 fois de la game, j'annonce. Waouh. J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Ah ouais, non, son nu. Vous savez pas les douleurs. Croyez-moi, vous savez pas les douleurs des combattures. Eh oui, frère, les jambes, c'est.
pas des jambes moi là. Et je sais où t'as mal, tu sais où t'as mal, t'as vu, là où tu... t'as vu ton coude, là où tu plies. Juste là, entre les deux là. Où il y a le tendon. Là, c'est le moins mal là carrément. Ah ouais. Le plus dangereux, c'est entre les pecs et les épaules. La jonction là. Là, j'aurais pas cru. Ah du temps. Ah putain, j'ai de la nana. Il m'a touché. Là, t'as pas entendu, tu vas me dire. Il me touche. On va couper la file et tout, je capote. Et allez. L'ai eu. Je l'ai eu, le boss. Ousto. Et l'enflure. T'as une loose qu'on va t'enchaîner qu'à te poke. C'est mal, hein. Ouais, je prends une qui peut mourir. À partir d'un certain level. Y'a un anneau légendaire, c'est pas mal. Là, j'ai E et U. Ouais, allez-y. Il est quand t'as un mort. Vas-y, dis-nous toi, Alice. De quoi? Ta respiration, je sentais que t'étais heureux. Non, pas ta main. Non, non. Vas-y, allez, y'a eu un petit sourire, y'a eu quoi? Non, y'a rien, voilà rien. 15 000. Non, non, elle était pas ouf. Oh, je suis contre Oriana, ok. Pire match-up pour moi. Quoi, je sais, hein. Ah, dégâts de feu. Veulent que je retourne sur le phoenix. Okay. Roche phasique. Le retour roche phasique. Là, il m'a montré son compte là. Tu te rappelles le truc il est de publicitaire là? Il a mis 1 700 euros. Ouais. Et eux, ils travaillent avec Accessou pour faire la pub. D'accord, et chaque il achat et vente, il fait 50 euros par jour. J'ai regardé, ça fait 2 semaines, il fait 50 euros par jour. Magnifique. C'est magnifique, non? C'est de la folie même. Ouais. Là, il a trop envie de mettre 10 000 et tout là. Il m'a dit. Bah 1007 tu fais 50, à ton avis 10 000 c'est x 5. C'est pas 6 fois, ça se calcule pas comme ça. Faire 250 par jour. Je sais pas. Résistance R. Là je joue pas. Acheter mais je m'en fous. Je peux pas rejouer avec... Démolition. Ou c'est que je joue avec Purge. Dégâts R, résistance R. Ça. Je m'impose plus des games où je m'amuse pas. Regarde, c'est quoi là? Là, j'ai pas les bonnes ruines, j'ai pas les purges, non, c'est terminé. Ok, donc qu'est-ce que j'ai eu? Épée à deux mains, oh non, j'aime pas les épées à deux mains. Magnifique, elle est en tout cas. Améliorer tout de suite. En deux. Seize. Qu'est-ce qu'il a là, le stream? Dégâts de feu. Change d'armure. Ça. Oh, t'es déjà gueule des couilles. T'as dit quoi? T'es jungle? Ouais. Le jungle d'avant il t'a trigger, tu as joué jungle? Non, j'ai été. Autofit. Ah, ok. Tu tags quoi là quand tu joues? Diana? Oui, mais quelle lane, putain? Mid jungle. Ah, j'ai du 106. C'est pas dur de faire les camps avec Diana? Bah, si, là, clear, c'est l'un des junglers qui clear le plus vite, pardon. Ah ouais? Ouais. Putain, j'aurais bien voulu voir ça, tiens. C'est quoi, je vais te regarder là, vite fait, je vais voir au moins leur lit. T'as dit quoi? Regardez, je vais au moins leur lit là, j'ai envie de voir comment ça se joue une. Recycler une Diana.
Parce que j'ai mis voilà le jungle, impec. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le gars. Il connaît pas Diana, frère, et il a jeté. Qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute? N'importe quoi. Je connais pas, mais c'est impossible, c'est ça. Résistance, moins 7%. Et donc ça, c'est... N'importe quoi. Alors, attendez. Chaco. Putain, c'est vrai que Chaco, c'est quand même un cancer. Je vais un peu tout seul sur mon truc. Mais du jeu tranquille. Là, il parle du... Gab. 106, 110, résistance R. Je le mets pas. Je l'ai, je sais que je l'ai. Donc la 11. Le mien est meilleur. Il avait un level 35. Je pense que le mien est très bien. 4 heures, du coup, là, on est des nouveaux. Je vais les regarder. Les armes. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Et les compétences, je vais commencer. Alors, soit je continue point faible. Je pense que je vais faire. Je prends 15% de dégâts sur point faible, c'est énorme. Je vais prendre point faible. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on prend point faible. 15% de dégâts. Ensuite, on va regarder les amplifications. On a un nouveau. Voilà, level 35 épique. Exactement. Brûlure. C'est pour une spé feu. Change d'armure en fait. Ben le phénix. Ozonné, gel, gel. Oh, oh, feu. 12 dégâts feu. Je crois qu'il faut que je mette celui-là. Je vais mettre celui-là. Le mien là il est level 30. Colère d'archon. Ah non. Non non je le garde souvent. Celui-là. Le mien est level 30. 7. Non le mien est très très bien. Dégâts de feu ici. Sans dégâts de feu encore. Non mais ça va. C'est bien le mien. Donc ben je vais prendre le phénix, copier le stuff. Ah, il y a des petits trucs à améliorer là. Pierre de vie on l'améliore. Oh là là, ça monte vraiment énormément en puissance. Waouh. J'ai amélioré ma nouvelle oui. L'anneau, je l'ai pas amélioré. Ça claque le pognon quand même. D'abord, ça, je l'ai amélioré. L'amulette, elle est déjà améliorée. La bannière est déjà améliorée. Et ça, par contre, c'est jamais amélioré. Ouais. Mal. Synchronisé. Ça, t'as que synchronisé level 30. Améliorer un coup. Voilà. Il y a un peu rien. Ah, oh, c'est bon ça. Oh là 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 là. Il se clique. Alors, dégâts de colère d'archon. Prise de tête, le. Un peu. Je le fais un peu à l'arrache. Voilà, moi c'est fait. Là, je l'améliore aussi. Ah. Plus. Équipé. Dégâts de feu. L'améliorer. Ah non. Je voulais voir si lui me vendait des améliorants pour améliorer. Amplification pour dégâts de feu. Dégâts R, démolition. Dégâts physiques, level 35. Plus, je l'achète lui.
Il m'inspire confiance. Armdast, j'ai pas d'armdast. Alors, je vais remplacer le level 16. Bien celui-là, mais je vais l'enlever les colbets. Lequel est le meilleur? Absorption. Ah, pas du tout. Esprit, je gagne énormément. Oh là là, elle est pas ouf. Hein. 5% de charge de bouclier lorsque vous triomphez d'un ennemi. Je m'en fous, je vais le changer. Mais l'autre, je vais pas le death par contre. 12% de dégâts physiques. 17% de dégâts de colère d'argent. 12% de. Ah, il a l'air mieux le mien. Il a l'air mieux le mien, hein, franchement. Ah ouais, il est mieux le mien. Bon, je vais le garder le mien. Garder le mien. L'améliorer. Elle n'est pas améliorée. Oui. Ah, il va me rester 70 000 environ, c'est bon. Level 26 celui. J'aurais un peu de compo pour le level 50 de côté. J'ai rien claqué là. En essence. Bah, les grosses compos, je les ai pas claquées. Par contre, il me faut l'armure de Phoenix. Pourquoi? Parce que c'est spécialité. Brûlure. Feu. Brûlure, feu, feu. Par rapport au stuff que j'ai, voilà. Là, je fais copier le stuff. Et. Voilà. Un peu fait exprès, hein, je pense, tout ça. Là, le fait de looter des stats, des armes d'une certaine catégorie. Pouvoir changer de valeur play, changer de gameplay. Bien que je trouve, les gars, que le gameplay ne change pas énormément. Selon les armures, il n'y a pas de nouvelles animations. Juste les dots, on sait que c'est pas les mêmes altérations, mais visuellement, ça saute pas aux yeux, quoi. Allez. Alors, si je faisais un truc sympa, c'est-à-dire l'audio, la musique complètement, et on met la musique. On se met un peu. Ah. On va bâcher comme des mecs sans cervelle. Allez. Non, non. Annulé. Regardez. On a repris l'armure du phénix qu'on a eu au début. Les lames doubles, j'aime pas trop, mais bon. Je peux changer d'avis vu que j'ai changé d'avis pour les autres armes aussi. Donc, on va voir le dégât que je fais là. Il y aura sûrement un gain de puissance, je pense. Parce que le sentiment de puissance, je l'ai senti évoluer avec l'évolution de mon stuff aussi. Peut-être que ça va continuer comme ça. Bon, c'est très cool. Voilà, on ramasse les loot, tranquillou. Oubilou. Je pense que le vendeur, il est là pour, si tu rush la campagne, pour te mettre à jour avec des équipements du niveau demandé. Mais vu que moi, je clean les maps, je me retrouve avec un niveau largement au-dessus. Et du coup, je loot
des items qui sont moins bien que mon niveau. Et du coup, bah, j'achète au vendeur. Et le vendeur, lui, il est par rapport, il me vend du stuff plutôt de mon niveau, mais pas du niveau des missions. Donc là, je suis dans la tour. Je sais qu'à la fin du jeu, il y aura la tour de l'infini. Comme sur les jeux mobiles. Ceux qui connaissent. Bon, j'ai changé de sexe entre temps, c'est pas grave. Ah, je me suis protégé. D'accord, elle fait l'aller-retour, mais elle fait pas de dégâts. Allez, prends ça dans les gorges. Oh les gars. Il faudrait un marteau. Un marteau de mon niveau maintenant. Oula oula. Je crois que c'était un loot. Je me suis jeté dans la gueule du loup. Merde. Ah. Bon, je sais pas. Je sais pas si je suis plus puissant. J'ai pas l'impression en tout cas, les gars. PS feu, voilà, il y a un dot de feu. Vous voyez l'entourloupe, il y a un dot de feu sur la barre de vie du mob. Mais qu'est-ce que ça change, quoi? Rien. En vérité. Je suis obligé d'attendre. Ah, sérieux? Ah, faut tous les péter. Voilà. Elle a l'air coupée en deux. De couper en deux, pas mal. Voilà, donc on va les farmer entre temps. Dès que le bouclier est up, je casse une pierre. Voilà quoi. Il y a pas beaucoup de mobs. Oh, il a pas aimé là. J'ai eu dans le point faible en fait. C'est pour ça que je l'ai one shot. Merde. Hein. Oh. Je pense que en endgame, il y a moyen de monter la deuxième barre de vie, là, hyper santé. Parce que là, en fait, ben... Oui, donc je dis que il y a moyen de la monter dans la tour de l'infini. Donc à mon avis, avoir beaucoup de mobs. Si on joue bien, peut-être. Je sais pas, on verra. Vous voyez, là, je... Faut gratter un peu. Ouais. Dans les points faibles, ça aime pas. Donc il avait raison, mon poteau, c'est rentable. Voilà, il en manque un.
porte. Est-ce qu'il y a un boss? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un boss à se faire? Je ne sais pas. Ah, il en manque deux, putain. Ah, les explosions de feu. Cool. Ah, je peux les péter, la péter avec l'épée. Donc du coup, là, je peux le péter cash. Ça, les gars. Non. Ah, c'est bon. Voilà, on est bon. On a fini le petit event. On se ramasser son petit coffre. Petit anneau épique. On va quand même regarder ce que c'est comme anneau. J'en ai un 98, level 29. Point faible, technique d'arme. T'as pas l'air mieux que le mien. Mais je peux le, pourrais le transformer en légendaire. Ça va me coûter des compos. Pour l'instant, on reste comme ça. Amplification, j'ai looté quoi? Empoisonné. Et arme. Épée longue, ça m'intéresse pas, j'en ai déjà une. Là, c'est pas beau. C'est pas beau, ça c'est pas beau, ça c'est moche, c'est vilain. On y va. Allez les gars, faites-moi monter. Médusa. Attends, on va faire un truc. On va poser ça. Ça. Ah ouais, je les ai brûlés sur place, quoi. Ça rigole pas, hein. C'est explosé. Non, là, en termes de DPS, au niveau de la couleur d'argent, c'est pas mal du tout. Oh. Attends. Voilà. Ouais, enfin. Là, je ressens de la puissance. On est d'accord? Non, pas où là? Ah, ici. Le boss. Allez, viens ici, mon poulet. On se bire, on lui a coupé la tête en deux. Il a fait des petites invocations là. Adios amigos. Les finishims sont vraiment plus stylés sur God of War, hein, par contre. Au niveau des animations, là, c'est pas aussi bien travaillé, quoi. Le jeu, il est quand même assez pas ancien, mais bon. On continue. Je sais plus, j'ai dû louper un truc, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Ça peut pas être mieux que ce que j'ai, je crois pas.
arme. Demain, level 29. Ah non, ça m'intéresse pas. Allez, on monte, les gars. On active le dernier monde. Entre 40 et 50, je pense. Le monde du vide. Là, j'ai le premier, c'est terrestre, aquatique, air. Il manque quoi maintenant? Feu. Et vide. On manque peut-être deux alors. Je ne sais guère. Allez. Dégage. Les animations de corps à corps, elles sont pas ratées, mais elles sont pas ouf non plus par rapport au reste des animations des persos, quoi. Je trouve. Je dois faire. Wait. Be careful, Oren. Something is not right here. Comment ça? Ah. Oh, je l'ai dégommé déjà. Non. Je loot, je suis un ouf. Voilà, on tient ça dans la bouche. Voilà, on tient ça dans les dents. Non, il manquait. Je mettais un coup. Ah ouais. Allez, je m'en fous. Celui qui tentera le mieux. Et on est bon. T'as pas le niveau, frérot. Va se coucher. Bonne petite compo. C'est fini. Voilà. Sympa, sympa de changer d'armure et tout ça et tout ça. Le gameplay est fun, toujours. Toujours aussi trippant. Pendant la phase de... ma petite phase de leveling, le jeu ne m'a pas gavé. Ah oui. Alors, voir ce qu'il me raconte. Peut-être que le vendeur maintenant il me vend mieux, non? Il est où? 35, mais il me vendait déjà mieux. Lame double. 172. Moi j'ai quoi? Mais j'ai mon marteau. Ah ouais, mais... sans le marteau... sans le marteau, ça le fait pas, les gars. Vérité. Est-ce qu'il me vend un marteau, non? 154, 5, non. Faudrait que je le monte, mais non, je le garde jusqu'à que je loot un marteau légendaire. Bon, je reste comme ça, je me suis déjà amélioré. Moi je l'ai éclaté, je suis assez puissant. Ah ouais. No brother of mine. Not anymore. He chose his path. You chose yours. Mais mon frère, non. Non, merci, ça va. C'est pas grave, on a qu'à foutre l'anarchie. On sera plus puissant à deux. On nique le monde. Le boss, déjà. Godfall. Ah, ça y est, j'ai fini la campagne. Mais non, les gars, il y a que 3 tableaux. Ah non, je pense que ça sera dans l'extension. Les autres... Non, mais le jeu est trop court.
Mais les gars, le jeu, il est trop court, les gars. Parce que moi, j'ai... Je n'ai pas rush la campagne, c'est pour ça que ça a mis du temps. Et sinon, pourquoi ça s'arrête au level 30? Puisque le niveau va jusqu'au level 50. Mais je vais t'exploser. Ah, l'armure! It's time for your madness to end, brother. I was never just your brother. I am your god. You're no one, Macross. You would dare to raise your weapon against a god? Ouais. Ouais, au niveau du tanking, fort comme moi. Attends. Oh là là. Ah ouais, le marteau, les gars. Hey, c'était pile, mec. Bon, j'ai rien à user pour l'instant. Pas de spell spécial. Oh, mais c'est facile. Ah, il me donne plus de vie que ce qu'il m'enlève. Un peu facile, hein. J'ai eu des boss qui étaient bien plus durs. Enfin, un peu plus durs, quoi. Bah non. Regarde, il me donne trop de vie, c'est trop facile. À mon avis, il va se transformer ou un truc comme ça. C'est que la première phase, c'est pas possible que ce soit le boss de fin du jeu, les potos. Il me fait même pas de dégâts. Même quand il me touche avec sa mitraillette de boule de Kamehame, ça me fait rien du tout. Des fois le ulti, voilà, là je le tue normalement. Ah ouais, il va pas se transformer. C'était trop simple. Je suis déçu du boss de fin, les gars. Comment ça peut être aussi simple? Comment il peut te donner plus de vie que ce qui t'enlève? Je le tue pas, hein, si j'ai le choix. Il me donne son armure, on en reste là, quoi. Très très beau. Magnifique. C'est magnifique, mais c'est un peu bâclé en termes de scénario. Le boss de fin n'est pas assez fort. You are a monster. You've done nothing but fight and destroy.
This is the world we live in, Orin. As you wish, brother. Tu. Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg pour mon frérot là. Je ne tuerai jamais, je l'aurais blessé. Pour qu'il rende, il reprenne raison. Dramatique. The rites of ascension need to be completed, or the backlash is going to tear reality apart. I need to do this. Allez, on regarde la fin du jeu ensemble, les gars. Je sais pas s'il y a des fins alternatives, mais j'ai pas du tout l'impression. Je pense pas, franchement, non. Then let's find out. Est-ce qu'ils vont me donner quelque chose de spécial? Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis déçu que le jeu ne se termine pas au level max du personnage, quoi. Normalement, level 50, je sais pas moi. Je pense que ça sera l'extension, il y aura le niveau du vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bizarre, hein? Chelou. Y'a que 3 mondes. Y'a que 3 maps en vérité. Elles sont grandes, mais c'est trop peu. Ah. Ok, donc elle a retrouvé son pouvoir, l'oracle. Et. Ouais. Non, je m'en fous du crédit, les mecs. Non, je m'en fous du crédit complètement. Alors. Peut-être que. Pardon, je suis en train de tout casser là, mais ça va être mieux sans le son, hein. Sans la musique. Ah bah c'est ça le monde du vide, non? On a vu. Alors, est-ce que j'y ai accès? Je pense pas parce qu'on est en crédit. 7e oracle. Pénétrer dans les rêves de Cosmera et affronter les souvenirs embellis des adversaires et des défis que vous pensiez derrière vous. Mon clé de la carte et à vos pierres rêves disponibles. Chaque pierre rêve vous propose des missions et des défis tirés de vos souvenirs. Il se termine par un combat épique contre un boss de fin idéal. Et le coup, les dons de stabilité et de lucidité. La stabilité vous permet de conserver la pierre rêve. Lors des tours supplémentaires, la lucidité vous permet d'améliorer et d'augmenter les récompenses des missions de pierre rêve. Oh là là, c'est un peu. Et on fait du boss final pour terminer la pierre rêve et déverrouiller la suivante. Si vous ne parvenez pas à vaincre le boss final, vous allez devoir relancer la pierre rêve pour déverrouiller la prochaine. Bon, ok. Rien capté. Mais l'armure, on peut pas l'avoir là, celle-là? J'en ai que deux. Ce fesse. Où les trucs? Oh, c'est mieux, non? Je m'abuse. Oh! Prendre les gars. Colère d'argent, brise là. Anneau 35, je vais vérifier. La breloque, je vais vérifier. Mince, je vais trop vite. Ah, attends, mérite. Gagné là. J'ai pas de petites compos à récupérer. Ouais, c'est des. C'est des hauts faits en fait. D'accord, 2 points carrément. Donc on va finir point faible. Et on va partir sur. Alors, attaque polarisée. ...5% de vitesse de charge d'attaque polarisée. Je sais pas. Parce que vitalité...
On n'est pas des masses. Préparez ou bloquez une attaque pour charger votre bouclier. Lorsqu'il est chargé, votre bouclier devient primordial pendant 40 secondes. Préparez des attaques. Ouais, ça c'est bien pour def en vrai. Pas def. Là, l'esprit, je sais même pas à quoi ça sert, le mec. L'esprit, la vérité, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas mal. J'ai qu'un point, là, il me reste qu'un seul point. Je vais le mettre en... synchronisé. Pendant la fenêtre de tir, appuyez sur R. Une attaque synchronisée lourde. Ça semble... frappe déchirante, c'est l'espèce de flash, ça m'intéresse pas. Je viens de trouver. Il me reste 15 points à avoir. Émulsion brisée. Il y a deux. Voilà, même chose, tout ça. Donc j'ai une arme. Là mon marteau il est 28. Ah celui-là il est que 30. Ouais, lame double. Pas garder mais... très bien comme je suis. Ah. Et c'est de l'or. Leur amulette, ils me vendent 35 le mec. 106, 35. Ceux-là, on va les. C'est dans ce feu, je m'en fous. Ouais. Si tu veux. Ça fait pique. Oh! M'a mis bien là. Ce feu, il s'en sauve vide. Ah, dégâts de saignement. Non! C'est pas pour ce... pas pour m'aspect là, m'aspect actuel. Il y a 30 absorptions. Ouais, ouais, mais non, c'est dégâts atteints de saignement. J'ai pas de saignement moi dans ma... saignement? C'est pas cette arme... c'est pas mon armure que j'ai maintenant. Je suis déçu. Ah, mais j'avais même pas mis. J'ai rien mis sur lui, quoi. Oh. Je mets pas de saignement avec mon père. Attends. On va mettre déjà les trucs de base. J'ai trop parlé. C'est par le bleu, alors. Le bleu. 35, on va mettre. Et... brûlure. Ensuite. Pas de vert. On va mettre des rouges. 9. 7. Ah ouais, mais peut-être qu'il m'en... ah là là, il me vend quoi l'autre? Là, il faut que je sois OP, hein, les gars. Il me vend du 35 rouge. Lui, je l'achète. Un saignement aussi, putain. Je change de spé, non. Sans de dégâts physiques. Et aussi. 2% sur dégâts de poif. Dans la bannière, je m'en fous. Alors, on s'en fout. La bannière, on s'en fout. La merde. Les anneaux. Les anneaux, j'ai quoi? J'ai 2, le 25 et 28. Alors, 104. Après, si c'est de vitesse de recharge de manière, je me fous en vrai. 104.
114. Là, les anneaux qui me vont. C'est 110, pas mais. Malédiction, donc non. En état de choc. Vous gagnez 7% de bouclier lorsque vous. 35. Je sais pas. Oh. J'ai moins. Non. Bien. Celui-là. Il y a du vide, j'ai pas besoin. Résistance physique, on s'en fout. Salon, on s'en fout. Peut-être celui-là, je le vire. Il est level 28. Oh, il est mieux que l'autre. Je fais pas de dégâts de vide. Ça correspond à rien. Ça correspond à rien. Hein. La vie. Donc, que fais-je? Parce que là, la meilleure arme que j'ai, c'est là. Et c'est dégâts de feu. Donc je suis obligé de rester avec cette armure. Je ne peux pas partir sur une armure saignement. Donc je vais acheter l'anneau. Pas malédiction. Malédiction. C'est le bouclier. Là peut-être. J'améliore. Quand celui-là est amélioré. Donc on sait quoi? Je paye pour l'améliorer, juste pour cet anneau, c'est tout. Je remplace celui de 28 qui me sert à rien. Ah ouais, non, le 25 il est bien, je suis désolé, je peux pas le remplacer. Moi j'avais quoi comme attrape? 22. Et de feu. Je vais peut-être améliorer l'anneau, on va voir. Là que j'ai équipé là. Là. Oh. Alors maintenant, les trucs pour les améliorer, ça coûte cher par contre. J'en claque 10, m'en fous, ouais, c'est bon. 10, ça peut passer. Pour gagner voilà, un truc. Bien mieux. J'ai gagné sur dégâts empoisonnés. Wouah, j'ai gagné de la merde. Une stat qui me sert à rien. Bon. Alors celle-là, elle est déjà. Elle est level 29. Et là, j'ai une 35. Ouais, j'ai plus de puissance avec celui-là. Ah non, esprit. Je sais pas quoi faire. En fait, elle est que épique. Au pire, je peux l'améliorer, celle-là, en épique. Hmm. Mais elle est mieux, celle-là. Parce que lorsque vous effectuez un coup critique, vous avez 5% de charge de tes armes. Là, je peux la dés. Hein. Le 24. La dés. Ma chérie. C'est assez. Hein. Puissance, pas beaucoup. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'améliore ça. Pas. En breloque, il me vend pas mieux en breloque, lui. Me servirait plus. Voilà, dégâts des coups critiques. Hein. Voilà, aveuglé, elle est bien celle-là. L'enfiler. Oui, elle est très bien, je la mets. Et. Très meilleur. Voilà, donc là j'arrête l'amélioration, mais je peux peut-être l'enchanter. Là je ne. Ce serait vraiment terrible. Ce serait vraiment même mortel. J'ai gagné de la résistance à l'air. C'est bon.
Non, non, c'est bon, je garde les grosses stats quand même. 103, c'est énorme. Oh, tout ce que j'ai joué sur 170. Non, non, je garde ça. Ok. Maintenant, les amplifications. Donc, celle-là, elle est équipée, elle est déjà améliorée. Puisque j'équipe mes améliorations, c'est bon. J'ai quoi? C'est justement ce que j'étais. Alors, le verre. On en est où, les poteaux? On essaie de faire vite. 35. Saignement, ça me sert pas trop. Et lui, voilà celui-là, là. Point faible. Bien sûr. Oui. Saignement, sans dégâts physiques, level 5. Bien lui. Les verres, on va le garder pour un verre. Sorption, je sais pas. C'est là. Sorbe des dégâts. Distance au vide. Distance au feu. En termes de dégâts, ça. À 3% de dégâts, atteinte brûlure, ça. Level 30. Ou, capté, il me vend des questions level combien? 35. Sans salaire. Aux bannières, 11% 10% percenté grâce aux bannières. Lorsque vous avez une parade, 140. Tête. Sur l'or. Et il me faut les deux vertes meilleures que j'ai. Sans salaire. Sans dégâts physiques. Très bien. On déjà ça va. J'améliorerai juste après. Une autre verte, je sais pas si ça se dit sans salaire, parce que ça là non, non, ça là non, dégâts de saignement, je fais pas de dégâts de saignement. Ah bah voilà, bah non, je suis obligé de prendre celle là, même si elle est level 30. Je vais mettre. Là, je mets un peu ce que je veux. Ennemi consécutif touché par lancer de bouclier reçoit 50%. C'est énorme ça. Puissance de vie. Voilà. Enseignement, je serais vraiment. Lorsque frapper un point faible, ouais, mais là il y a de la puissance. Gagner 1% charge de clan. Ça, je regarde. On va mettre lui. C'est opti quand même. On va améliorer mes trucs. Ça va, je suis bien.
Je gagne juste la vitalité en fait. La stat de droite augmente. C'est celle-là qui est. Hop. Il y aurait là. Oui, je peux arriver. Oui. J'ai envie de l'améliorer encore. 12 et 3 aciers, oui. J'ai explosé ma thune. Bien. Bon, là, franchement, surmonter speed deck. Alors, juste un truc, je me vois plus. Hop, hop. On est bon. Je vais vendre le stuff qui me sert à rien. Déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. Regardez. 10, le 5. Y a rien. Pas de stuff de merde. Et ce que je vois, amplification, c'est à garder. Au niveau des armures, vous les achetez. Mais ne pas les mettre. The armor of focus was most commonly worn by younger warriors seeking to hone their skills. Ça là, c'est quoi ça? Arme, bris. De toute façon, je peux même pas EP bris arme. Ensuite, celle-là. On l'achète. C'est pas moche, mais. C'est pas la plus belle. Quoi. Ouais, mais c'est pas facile. Ça, c'est double lame. Double lame, parce que gel, et c'est gel, c'est double lame. Et gel. Celle-là, elle est trop belle. Ça, j'ai. Je les ai toutes. Là, je l'ai pas. Il va m'en manquer une. The Valor Plate of Wisdom is a favorite of artists and philosophers. Oh, une mouche. J'irai des philosophes. Celle-là, je l'ai déjà, elle est trop belle. Ouais, elle est magnifique. Ah là, je l'ai pas. May the armor of clarity illuminate the darkness. Okay. C'est quoi? Pour les points faibles. Elle, c'est grave de dégâts sur les points faibles. Et lui, c'est celle que j'aimerais avoir. Colère d'argent. Ou critique. Basé sur vous critique. Elle. Des dégâts, pas rigoler. Elle, je l'ai déjà. Et la mienne. Merde, je l'ai. Il m'en manque une seule. J'ai toutes, les gars. Tu viens bosser ou pas? Pire rêve. Au 30. Acheté. Payé. Voilà, mollo. Hein. Il y a des points de compétences à gagner. Ça, c'est quoi ça? C'est le boss? Révéler une récompense de boss. Ah, ça augmente, oui. Bah ouais, on va faire les deux petites missions et après la grosse. Ah, normalement, je la dégomme. Je suis 35 bien stuffé, c'est du niveau 30. Vous en pensez quoi?
Voilà, là ma perche elle est bien mise, je suis content. Bah allez. Je suis dans le endgame, on est au level 30, c'est ça qui me chagrine un poil. Je l'avoue. Là, on retourne dans les mêmes tableaux, quoi. Il y a trois mondes, c'est pas... trois maps. Pas énorme. Et là, ce que je vois, puis rêve, bah, je reviens dans un monde qui existe déjà. C'est pas un nouveau monde, non. On le fait pas. Premier gros défaut du jeu, que trois maps. Certes, grosse map, mais que trois maps. Désolé, ça suffit pas. J'ai un dot de fou là. C'est des dégâts de choc. T'as un dot en fait. Il tic, on l'entend là. Mais bon. Ah, méchant. Ah, il y avait compos. Ça me sert à rien les compos. Bon, en tout cas, maintenant je les maîtrise, les spells, les skills et tout. Et ça, c'est au moment où je vais crever. Ils font mal hein. Parce que j'ai pas de vitalité. De la récup, genre de truc. J'ai tout mis en dégâts quoi. Peut-être que c'est ce qu'il faut pour jouer à plusieurs. On joue à 3 dans la tour de l'infini. On verra si c'est. Le niveau de difficulté augmente vraiment ou pas. Parce que là, déjà le boss de fin c'est du papier mâché, pas normal. Tourner sur le Discord avec les potos. Leur dire que j'ai fini le jeu quoi. Ça me fait chier de devoir critiquer le jeu là par rapport aux trois maps, uniquement trois maps. Putain, pas cool les gars. Je suis désolé, en plus moi le monde aquatique je l'aime pas. L'effet, le filtre bleuté là qu'ils ont mis, il est trop exagéré. Bon, là aussi le filtre il est exagéré. Un peu, c'est un peu trop, je sais pas, peut-être c'est mes réglages. Que je leur ai mis. Vous avez vu? C'est ouf. C'est mal. Hein. On commence à avoir l'impact des builds et des synergies entre les spells et tout. Ils ont pas fait long feu.
fois, les gars, faites pas rire. Là pour gagner une récompense. Allez, on va on trace à fond jusqu'au boss, il me reste que 4 minutes. On verra pour l'exploration juste après. Ok. Ah putain. Quand je vois des compos que je farme pas, ça me... mal au ventre. Allez! Voilà. Après tes petites fleurs qui me font des dots là, il est mi-life hein? Ouais. C'est lui le patron. Explosé là. Voilà, c'est bon. C'est bouclé. Alors les loot. La merde. Et d'accord, donc je le fais dans le temps imparti, mais j'ai pas de bon loot. Grave, c'est aléatoire. Hein. Bon, je pense que je vais clean cette mission et en finir avec cette session, les mecs. Clean la map, ouais. Ah merde, il me propose pas. Oh. Ouais, un point de talent. Ok. On va le mettre. Polariser. Gagne 5% test de charge. Ok. Bon, voilà les gars, on a fini le jeu. La session elle était cool. J'ai rien looté de spécial normal. En level. Ah quand même. Point faible polarisé. Là, pas mal ça, on va l'enfiler tout de suite. Alors, 89, 16, 89. Point faible. On va la mettre à la place de ça. Celle-là. Hein. Ah, je loot du level 30. Et c'est moins bien que mon level 35. Donc j'ai 19 sur point faible et 14 de dégâts supplémentaires. C'est bon. Est-ce que je la mets, je l'améliore. Je vais l'améliorer. Et regarder si ça vaut le coup. Alors elle est montée à... Et là, là je l'améliore encore, je m'en fous là. Point faible ou polarisé? Polarisé. Là non par contre. Voilà, maintenant est-ce que je le mets ou pas? Donc j'ai claqué plein de trucs s'il faut pour rien.
Ça là, non, déjà. 84, 89. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Mais j'ai une stat en plus qui est énorme. 28% de dégâts sur ennemi polarisé. Et j'ai plus d'absorption, donc je la mets. Et voilà, je suis opérationnel pour ma prochaine session, les potos. Et puis voilà. 1256 de puissance, tout ça, c'est à peu près équilibré en fait. Mes stats. En vérité, j'ai tout mis dans les dégâts. Mais bon, bref. Voilà. Donc, bah, c'était cool. Alors, est-ce que je vous laisse sur la fin du live ou sur DM Corp Story? Je vous laisse sur DM Corp Story, les mecs. Et je referai d'autres sessions jusque clean le endgame. Hein. De toute manière, là, le jeu me plaît. Tant que j'ai pas un autre jeu à me mettre sous la main, ça sera du Godfall pour l'instant. Et ça sera du Warzone avec Sango CDM aussi de temps en temps. Donc, allez, à bientôt, les mecs. Maintenant, vous restez concentrés et vous écoutez l'histoire de DM Corp. Tout commence sur NeoStream, le système planétaire de l'étoile Streamatoria. Je vous présente Stream City. Stream City, immense mégalopole où je réside, qui n'est autre que le QG principal, le centre névralgique des streamers professionnels de toute la planète. Des millions de chaînes de streaming, diffusant continuellement toutes sortes de contenus, allant de chaînes ultra qualitatives à inexistantes. Stream City attire les passionnés comme tous ceux qui convoitent la réussite dans le milieu du streaming. Et maintenant, voici l'agent 4. Moi-même. Droïde cybernétique de classe inférieure, créé par la multinationale CyberStream, affecté à l'élaboration et l'animation de chaînes de streaming. Vu l'imogène de mon entreprise car devenue obsolète, je pris alors la décision de me venger et de me refaire ailleurs. Justement là, je suis en train de me rendre sur la plateforme de lancement. Mais attendez, regardez ma carte d'identité et je vais tout vous expliquer. Scrutant une galaxie sans relâche à la recherche d'une planète où le streaming aurait aussi été inventé pour y établir DM Corp. Une chaîne de streaming futuriste basée sur Twitch afin d'y prospérer et d'être enfin reconnu comme un véritable streamer. Lorsqu'un jour, je fis une découverte cruciale qui allait changer le continuum espace stream à tout jamais. La Terre, où tout justement le streaming était en pleine expansion. Voulant transférer mes données quantiques sur Terre, pour y accomplir mon plan machiavélique, je savais que je ne pourrais y parvenir seul. J'entrepris alors le recrutement d'un streamer, et pas n'importe lequel. La streameuse la plus convoitée de tout Stream City. Cette dernière ne tarda pas à refuser catégoriquement lorsqu'elle sut que l'offre venait de ma part. Tu n'es qu'animé que par un minable esprit de représailles pathétiques qui n'égale que ta petite carrure, me dit-elle. Et que j'étais bien naïf lorsque je m'imaginais gravir les échelons du streaming jusqu'au sommet, l'ultime humiliation. Renonçant à capituler, j'ai dû enfin me rabattre sur le streamer le plus médiocre et le plus calamiteux de toute l'histoire de ma planète, qui n'était autre que Sango CDM. Développé par la firme Sexstream, Sango CDM était un humanoïde sexuel de dernière génération. Sexstream l'humanoïde sexuel parfait.
professionnel de FPS sans au CDM excelle en extermination de bandits. Intelligence artificielle ultra perfectionnée, cet humanoïde saura vous divertir tout en massacrant tous ses ennemis sur sa route. Son processeur Xtreme s'améliore au fil des games pour atteindre un maximum de top 1. Et c'est là que Sango CDM, après avoir accepté mon offre et sans hésitation, sans savoir pourquoi, traversant tout Stream City, se rend sur la plateforme de lancement, là où nous avons rendez-vous. Armé de notre Stream Deck pour le transfert quantique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour traverser avec nous les calculs quantiques du streaming, ainsi que participer à Corp TV, rubrique de discussion d'actualité